Dans le cadre des tribunes de la presse, on se pose des questions, on prend le temps de regarder l'actualité et la manière dont l'information nous est transmise. On a avec nous Gilles Boeuf, merci d'être en plateau avec nous. Vous êtes un éminent biologiste et aujourd'hui vous parlez de biodiversité. Mais ça fait presque 20 ans que vous parlez de biodiversité. Qu'est-ce qui a changé en 20 ans ? En fait, le terme n'est pas si ancien que ça. Il est créé en 1985, hein, il y a 35 ans, par un chercheur américain qui vient d'une drôle de science qui démarrait à l'époque, qui s'appelle la biologie de la conservation. Comment on conservait le vivant, la nature, les réserves. Et en 2000, il va se passer un double événement. Il y a un article qui sort qui dit que le plus puissant moteur sur le changement de la Terre aujourd'hui, sur l'évolution, c'est la présence de l'humain. Et je vais vite comprendre qu'il n'y a pas que l'humain, il est avec ses animaux domestiques, ses poulets, ses cochons, ses chiens, ses chats, et ses plantes d'intérêt agronomique. Parce qu'avant, vous étiez très poisson. Oui, puis surtout, j'étais un endocrinologue. Moi, je m'intéressais à mes hormones de poisson. Je comprenais les migrations de mes saumons. Je regardais comment, chez les poissons plats, les yeux traversaient le poisson pour aller sur le même côté, pour qu'ils vivent sur le fond ensuite, l'animal. Et en même temps, c'est le moment où un prix Nobel de chimie, qui s'appelle Paul Crutzen, lance le terme de anthropocène. La fraction des aires de la Terre durant laquelle le plus puissant moteur de tout ce qui change, c'est la présence de l'humain. Qu'est-ce qu'il raconte ? J'ai passé ma vie à travailler sur le rôle de la longueur du jour, de la température de l'eau, du sel de l'océan. Il vient raconter ça ? Alors je me lance là-dessus, puis bah, ça va tilter, ça va plaire, puisque je me retrouve invité au Collège de France en 2005 pour faire la première conférence du Collège à l'étranger sur la biodiversité. Et le Musée d'Histoire Naturelle m'appelle en 2007. Et je lui ai passé 10 ans à m'occuper justement d'une grande maison qui contient 500 chercheurs qui s'intéressent à ces questions-là. Mais à l'époque, la prise de conscience n'était pas du tout celle qu'elle est aujourd'hui. Non. Et notamment, là, au début de la pandémie, il y a eu une prise de conscience absolument extraordinaire de l'importance, finalement, de la biodiversité. Les gens se sont préoccupés de ce qu'ils mangeaient. Il y a eu tout cet effort qui a été fait de la part du grand public, d'un seul coup, par rapport à cela. Mais en même temps, quand on regarde quelques mois plus tard, les cantines scolaires distribuent des milliers de bouteilles d'eau en plastique pour éviter le virus. Est-ce que la peur a repris le dessus ? Est-ce qu'on a oublié cette biodiversité du début du confinement ? Vous vous dites, d'ailleurs, ce confinement, parfois, c'est un peu n'importe quoi. Oui, bien sûr. Ce qui s'est passé, il y a deux choses. D'abord, on a vu le retour du vivant dans les villes. Là, on ne les voyait plus. Ce n'est pas qu'ils avaient entièrement disparu, mais ils revenaient, les canards en plein Paris, des amis chiliens montraient des photos de condors, un puma en plein Santiago du Chili. Nous, on l'a vu chez nous aussi, hein, sur le lac de Bordeaux. Il y a eu ça, et puis il y a eu le fait, effectivement, qu'on s'est rendu compte qu'on revenait à des choses un peu essentielles, et que finalement, il n'y a pas que le climat qui change, qui était préoccupant, il y a aussi cet effondrement du vivant. D'autant plus que le petit coronavirus 19, c'est un nouveau venu dans la biodiversité. Elle n'est pas toujours bienveillante pour l'humanité. Hein. C'est un virus de chauve-souris, Laura, qui, on le connaît bien, on l'a bien séquencé. On travaille beaucoup, ça fait 20 ans qu'on va dans les grottes de Chine chercher des chauves-souris. Et elles ont beaucoup de virus, ces chauves-souris, parce qu'elles vivent en colonie, elles sont à son chaud. Et là, ben celui-là, il est sorti. Pourquoi il est sorti ? Parce qu'on est allé les chercher. Et les virus de chauve-souris ne sont pas capables d'infecter des cellules humaines. Donc il s'est passé quelque chose durant l'été 2019 qui a fait qu'il a muté, changé. Et il a pu commencer à infecter des cellules humaines. Et là, ah ben la biodiversité, si on la maltraite, elle permet ce genre de comportement. Mais si on avait foutu la paix aux chauves-souris et on les avait laissées dans leur grotte, ça ne serait pas fait. Et la troisième chose, c'est qu'on l'a transporté partout beaucoup trop vite, avec beaucoup trop d'avions qui sillonnent le monde aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait à partir de maintenant ? Est-ce que vous espérez que l'électrochoc va durer ? Il y a une prise de conscience, parce qu'on n'a pas le droit d'aller faire de la randonnée ou des choses comme ça. Il y a des gens qui s'érigent contre ça, qui disent « Non, non, au contraire, on a besoin de la nature, y compris pendant le confinement, ce n'est pas ça qui nous contamine. » Est-ce que cette prise de conscience, elle est durable ? En tout cas, elle est prise. Déjà, c'est mieux. On n'en parlait pas autant qu'auparavant. Donc, je pense que presque, je dirais, plus de la moitié des Français se rendent compte qu'il faut faire quelque chose, qu'il faut changer. Vous savez, dans l'évolution, la vie, elle a 4 000 millions d'années, 4 milliards d'années. Eh bien, figurez-vous qu'elle a subi les pires problèmes de changement. Elle s'est toujours adaptée. Mais pour s'adapter, il faut changer. Donc, nous, il faut qu'on change. Hein, si on ne change pas, on ne pourra pas s'adapter. Donc, ça veut dire que, ben, attention à ce qu'on mange, bien sûr. Manger beaucoup moins de viande, ça c'est très clair, moins de viande, moins de poisson, sans devenir vegan automatiquement, mais il faut en manger moins.
On peut consommer plus de local, ça a beaucoup été dit aussi. Faire attention à la saison. Ne pas manger de kiwis en France entre août et décembre. Maintenant, on commence à faire de kiwis ici, dans le sud de la France, on mange des kiwis maintenant. Tout est comme ça. Donc, son alimentation, c'est extrêmement important. Parce que ce qu'on a observé, c'est que le virus, il cible des gens qui sont déjà en détresse physiologique. Hein. 84% de gens trop gros. Les trois quarts qui ne font pas de sport, des gens qui sont en détresse physiologique parce qu'ils font de l'hypertension artérielle ou du diabète, ça c'est de la malbouffe, ça c'est de l'absence d'activité physique. Donc il faut qu'on soit plus en cohérence avec la nature nous-mêmes, qu'on soit plus fort pour arriver à résister à celui-ci, mais aussi peut-être à d'autres, parce que vous dites ce n'est peut-être que le début. Bien entendu. Alors ce n'est pas le premier, on en a eu une bonne trentaine depuis un siècle. Hein. Le H1N1 en 1918, il tue entre 50 et 100 millions de personnes dans le monde. Hein. Mais ça n'avait pas fermé l'économie. Oui, non. À l'époque, on était à la fin de la Première Guerre. Et puis, on a eu d'autres pandémies. On a eu Ebola qui est venu. On a eu en Europe. On a eu en Asie le SARS-CoV-1 en 2003. Il y a eu le MERS dans les pays arabes. Vous vous souvenez, qui était passé par le dromadaire. C'est toujours un animal sauvage qui ne devrait pas se trouver là, avec un animal domestique. Et puis, il mute et il passe à l'humain. Donc, il faut qu'on fasse attention. Et c'est vrai que, je dis souvent aux gens, vous vous rendez compte qu'on est moitié fait de bactéries, moitié de cellules humaines. Et il y a un dialogue en permanence entre nos cellules humaines et nos cellules en symbiote avec nous. Quand on a fait Tara Océan, on a fait un tour du monde avec un voilier, on a séquencé l'océan, on a un tiers de nos gènes en commun avec les microalgues. C'est pour vous dire que deux tiers avec une mouche. Donc, il faut aujourd'hui qu'on accepte qu'on fait partie du système, qu'on le respecte, qu'on l'aime, on a perdu l'amour en ce moment, hein. C'est très important de le dire. Regardez comment on a maltraité les femmes pendant le confinement, hein. C'est une question vraiment essentielle, et les enfants aussi bien sûr. Donc aujourd'hui, retrouver de l'harmonie, qu'est-ce qu'on mange, comment on voyage, comment on a envie d'autre chose, et qu'on n'oublie pas finalement que depuis ce matin on a fait plein de choses qui ne servent à rien, mais qui apportent du bonheur. On garde l'amour et le bonheur et le respect de la nature. Merci Gilles Boeuf, merci à vous de nous avoir suivis, à très vite dans ces tribunes de la pièce. Salut.